Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette édition en ligne du festival Effraction, le festival qui explore les liens entre littérature et réel. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour réfléchir aux liens entre bande dessinée et réel, à la façon dont la bande dessinée s'empare du réel, à la façon dont elle donne à le voir, dont elle donne à le vivre. À mes côtés, et j'en suis ravie, la romancière et scénariste de bande dessinée Leïla Slimani et Pierre Coutel, responsable du pôle Essai, Savoir et Images de la librairie Mola à Bordeaux, partenaire de cette rencontre. Bonjour à tous les deux, merci Bonjour. D'être avec nous. Bonjour. Et à distance avec nous, l'auteur de bande dessinée David Van Der Meulen. Bonjour David. Bonjour. Pierre, vous êtes l'un des membres du jury du prix du livre du réel organisé par la librairie Mola. C'est un prix qui a vu le jour en 2016. Vous l'observez, le récit documentaire, le reportage en bande dessinée, cela occupe de plus en plus de place dans le champ de la non-fiction, à tel point que le prix va changer un petit peu cette année, puisque j'ai été explorer un petit peu les archives de ce prix, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a jamais eu une seule bande dessinée récompensée, ça va enfin changer. Voilà, que fait-il là ? Donc effectivement, le prix a été fondé en 2016 à l'initiative du journal Sud-Ouest et de la librairie Mola, avec comme idée initiale de mettre en avant cette littérature qui existait, qui n'était pas forcément identifiée comme telle, et l'idée était de dire que le champ du roman, qui est très très présent en France, ne recouvre pas l'ensemble du champ de la littérature et qu'il existe d'autres manières de faire la littérature que le roman ou la fiction et qu'il existe toute une forme d'écriture qui existe d'abord depuis très longtemps mais qui se développe depuis pas mal d'années au travers de maisons d'édition type Sous-Sol ou Marchiali. Et là, le prix va fêter cette année sa 5e édition. Et donc, effectivement, il va connaître un certain nombre de changements. On a un nouveau président de jury qui sera désormais Eric Fotorino. Et effectivement, nous avons souhaité intégrer une nouvelle catégorie qui est la catégorie de la bande dessinée documentaire. Alors, on l'appelle comme ça, ou la bande dessinée du réel. Et c'est le même constat que nous avions fait avec les livres, qui est que c'est quelque chose qui éditorialement existe de plus en plus et qui correspond à la fois à une offre et une demande. C'est-à-dire qu'on a aussi de plus en plus de lecteurs qui considèrent la bande dessinée comme un support, alors aussi bien comme un support de savoir, et ça je pense qu'on le verra effectivement avec David Van Der Meulen, mais effectivement comme un support documentaire, c'est-à-dire apprendre des choses avec un autre support, on va dire que le support écrit classique. Néanmoins, et on y tient beaucoup, de même que le prix est un prix littéraire, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est un enjeu du mode d'écriture. Il me semble qu'il y a un enjeu fondamental dans la bande dessinée documentaire, c'est qu'elle doit être, elle doit prendre à plein le médium de la bande dessinée. C'est-à-dire que la bande dessinée ne doit pas être une sorte de marchepied vers l'idée, c'est plus facile parce qu'il y a des petits Mickey, d'apprendre des choses. C'est très important de faire en sorte que le médium de la bande apporte dessinée vraiment quelque chose. Apporte réellement quelque chose, que ce soit un traitement par la bande dessinée d'un sujet. Et ça, c'est ce qui nous fait penser qu'effectivement, il était important maintenant de donner cette visibilité-là avec le prix. Et on va bien sûr évoquer ce qui vous plaît, vous, dans cette forme de narration, dans cette bande dessinée. Leïla Slimani, vous avez publié en fin d'année dernière aux arènes à main nue avec le dessinateur Clément Aubrerie. On va bien évidemment en parler dans quelques instants, mais ce n'est pas votre première incursion dans le monde de la bande dessinée, puisqu'en 2017, aux arènes aussi, vous avez publié Parole d'honneur avec Laetitia Corinne, une bande dessinée dans laquelle vous partagez des témoignages recueillis au Maroc. Il y est question de conditions féminines, de conditions sexuelles féminines. Pourquoi la bande dessinée pour ces témoignages-là? Comment est-ce que cette aventure a débuté? Et en fait, en 2017, j'avais publié aux arènes un essai qui s'appelle « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc », qui était un essai à la fois militant, puisque je défendais l'abrogation de toutes les lois qui interdisent les relations sexuelles hors mariage, qui pénalisent l'homosexualité ou l'avortement, mais qui était aussi un livre de témoignages dans lequel j'interrogeais un certain nombre de femmes marocaines sur leur vie, et en particulier sur leur vie intime. Et au moment de la parution du livre, bon, le livre a eu beaucoup de succès au Maroc, même
même si pour beaucoup de Marocains, ça n'est pas très facile de lire un essai en français. Donc, ce n'était pas forcément un objet qui était très, très accessible. Donc, j'avais envie de le rendre le plus accessible possible, en particulier pour les jeunes. Et puis, j'avais envie aussi de contextualiser le livre, de contextualiser ces témoignages, de les montrer dans un lieu, dans un espace, parce que j'avais le sentiment que le simple fait de voir à quoi ça ressemble Casablanca, déjà, ça vous dit beaucoup de choses. C'est-à-dire ce mélange entre des grands immeubles très modernes et juste à quelques mètres, une médina très, très populeuse où vous allez avoir beaucoup de femmes voilées, beaucoup d'hommes avec des longues barbes et juste à côté, une fille en mini-jupe en train de boire un café sur une terrasse. Ça dit aussi beaucoup de choses. Donc, je me disais voilà, qu'il fallait d'une certaine façon utiliser la force de l'image pour montrer la complexité de la situation au Maroc. Et je ne voulais pas que les gens voilà, aient un imaginaire trop manichéen ou trop carte postale. Donc, c'était pour moi la bonne manière de le faire. Et les femmes que vous avez interrogées, qui ont témoigné, vous l'avez dit, il y a eu un essai. Vous avez repris certains des témoignages que vous aviez recueillis par le passé. Vous en avez fait d'autres parce que ça interroge. On en discutait un petit peu avant cette rencontre avec Pierre sur le rapport qu'il y a à l'image, à la bande dessinée pour les personnes qui acceptent de témoigner. Il y a quelque chose qui est parfois plus évident de se dire on va apparaître dans une bande dessinée parce qu'il y a quelque chose de doux dans l'imaginaire qui ressort de ce médium et qui fait que, j'allais dire, on se méfie moins, c'est si on voit le côté négatif, mais qui fait qu'on a peut-être une facilité en tout cas à se livrer par rapport en tout cas à d'autres médias de l'image, par exemple j'imagine un documentaire. Est-ce que ces femmes-là avec qui vous avez échangé, vous avez pu leur dire qu'elles allaient apparaître dans une bande dessinée et comment est-ce qu'elles ont réagi par rapport à ça? Vous savez, les cultures maghrébines et de manière générale arabo-musulmanes ont un rapport avec l'image qui est très complexe parce que la religion musulmane d'abord interdit la figuration, enfin de figurer le prophète ou les personnes sacrées. De manière générale, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'image qui est considérée comme violente. Les gens, par exemple, souvent, surtout autrefois, maintenant ça a changé, mais n'aimaient pas être photographiés. Il y avait des croyances avec cette idée que celui qui est pris en photo, on lui vole quelque chose. Par exemple, jusqu'aux années 70 à peu près, les femmes n'avaient pas de photographie sur leur état civil. Elles étaient simplement décrites parce que les hommes ne voulaient pas que les femmes se fassent photographier. C'était quelque chose qui était considéré comme très impudique. Ça ne se faisait pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de récent dans nos sociétés, cette idée de mettre en image. Souvent, d'ailleurs, c'est par le cinéma ou par la photographie qu'arrivent des scandales qui n'arrivent pas par la littérature parce que les mots sont considérés comme plus secrets, plus intimes, moins attentatoires à la pudeur. Donc, la bande dessinée, c'est un peu entre les deux. Parce qu'il n'y a pas cette idée de coller au réel. Donc ces femmes, je leur ai dit, il y aura une bande dessinée, mais on va vous inventer un visage, on va vous inventer un corps. Donc on a repris des petits éléments, parfois juste les cheveux, parfois une façon de s'habiller, une façon de se tenir. Donc on a été fidèles d'une certaine façon à l'esprit, mais en même temps, on s'est permis de les inventer, sauf certaines qui ont accepté, comme par exemple la théologienne Asmal Mrabet, qui a accepté d'être dessinée telle qu'elle est, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est vrai que le recueil de ces témoignages, et vous disiez de mettre dans un contexte, de montrer tout ce qui se passe autour, c'est vraiment aussi quelque chose que permet la bande dessinée. Je pense à une bande dessinée qui a été primée il y a peu par le prix France Info de la bande dessinée reportage et documentaire, l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé, où c'est justement le périple, enfin l'histoire d'un jeune Syrien, comment est-ce qu'il a vécu plein de périls, oui, pour traverser les pays et pour arriver jusqu'en France. Il a mis 3 ans avec un enfant en bas âge, et ça, de pouvoir mettre ça en scène, ce sont des choses où forcément ces images n'existent pas, donc on reconstitue. Et c'est vrai que quel meilleur moyen que par le dessin, que par la bande dessinée pour raconter ça, pour montrer ça. Oui, d'autant plus que vous n'avez pas les contraintes, par exemple, que vous pouvez avoir au cinéma. C'est-à-dire où tout ça, il va falloir trouver comment on va financer, comment on va le produire. En fait, ça a la liberté de la littérature avec la force de l'image. La liberté de la littérature, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 150 figurants, vous pouvez vous transporter dans le passé, dans le futur, vous pouvez inventer des lieux, etc. Je pense que le dessinateur vous maudit un tout petit peu si vous lui dites que dans la case, il y a 300 figurants. Oui, bien sûr. Mais ça, après, on le vit au quotidien. Enfin, moi, avec les
vraiment plein de fois, je disais, mais moi, je veux ça et tout. Il me disait, non, mais ça, c'est pas possible. Donc, bien sûr, il y a des choses qui sont pas faisables. Mais en tout cas, par rapport au cinéma qui est vu comme l'apanage, justement, ou le sommet en termes d'image, en fait, finalement, la bande dessinée permet beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que moi, romancière, je me sens assez proche du dessinateur dans cette façon, dans cette liberté qu'on a de pouvoir reproduire une réalité extrêmement diverse qui, malheureusement, à l'image, que ce soit dans la photographie ou dans le cinéma, n'est pas forcément facile à saisir ou à créer. On parlait juste avant de la capacité que pouvait avoir la bande dessinée de toucher d'autres lecteurs, d'autres publics, notamment des lecteurs plus jeunes. David, je le disais, vous êtes auteur de bande dessinée. On va parler de vos albums et notamment du dernier en date, Sapiens, aux éditions Albin Michel. Mais vous avez été aussi directeur de la collection La Petite BDTech des Savoirs aux éditions du Lombard. Elle a été lancée en 2016 comme le prix du livre du réel de la librairie Mola. Il y avait aussi dans la création de cette collection l'idée de rendre accessible des savoirs, de la même façon que Leïla disait que ça permettait de le publier en bande dessinée, peut-être d'avoir d'autres lecteurs, de toucher des lecteurs plus jeunes. C'était aussi cette motivation de se dire, voilà, ce sont des choses qui peuvent paraître compliquées pour certaines personnes, que de se lancer dans la lecture d'un essai, c'est pas toujours évident, mais que par la bande dessinée, on allait pouvoir justement communiquer et rendre ce savoir accessible. Oui, très certainement. Il y avait l'idée de faire collection aussi, surtout pour moi. C'était cette idée, quand j'étais enfant, moi, je collectionnais les livres, les collections, les petits marabouts flash quand j'étais enfant. Et puis après, ça a été les que sais-je, les microcosmes au seuil, toutes ces collections petits formats qui embrassaient des savoirs et qui étaient un peu encyclopédiques comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais cette idée de collection, il n'y en a plus beaucoup en bande dessinée pour le moment, et eh bien pourquoi pas en faire une, rappeler ces collections que moi j'ai aimées. Et donc il y avait cette idée-là, plus peut-être encore que de se dire il faut éduquer la jeunesse, quoi. C'était pas vraiment ça mon but. C'est du plaisir avant tout. Je pense que c'est et je le vois avec aussi les auteurs qui ont participé à la Petite Bénédicte des Savoirs. On a fait 29 titres donc il y a eu beaucoup d'auteurs et ils ont eu un plaisir énorme à un petit peu sortir de leur fiction, en fait, d'apprendre eux-mêmes en travaillant. En fait, il y a ça aussi. Il y a un vrai plaisir personnel d'apprendre et soi-même et de réaliser une bande dessinée. Ça, c'est pour les dessinateurs, les dessinatrices. Ouais, mais les spécialistes, voilà, aussi, c'était un vrai plaisir. Je crois que vous n'avez pas eu de mal du tout à convaincre les spécialistes des différents domaines de se lancer dans cette aventure. Eux aussi, ils ont pris du plaisir. Oui, on a eu... Alors ça, c'est une des choses qui m'a le plus étonnée. C'était, je pensais qu'on allait vraiment galérer pour trouver des auteurs. Et en fait, on a été submergés de demandes. J'ai eu plus de 200 demandes sur 5 ans. Et ça a été... Et chaque fois... Les gens qu'on allait voir me disaient avant même que j'ai fini ma présentation de mon projet, quoi. Donc il y avait une vraie envie. Je pense que bon, alors évidemment j'allais chercher des spécialistes qui déjà avaient des affinités avec la vulgarisation, mais c'est vrai que ça a été très surprenant. Je pense qu'aussi tous ces spécialistes ont vu aussi une façon d'agrandir et de développer leur public et leur lectorat, en fait, de toucher un autre lectorat, pas spécialement plus jeune, peut-être un lectorat moins amené à lire des sciences humaines, en fait.
des choses comme ça. Et sur des sujets aussi différents que le tatouage, les requins, l'intelligence artificielle, le féminisme, le burn-out, je cite les premiers qui me viennent en tête, mais c'est vrai que ce qui était formidable aussi avec cette collection, ce qui est formidable avec cette collection, c'est tous les sujets qui sont traités et de voir qu'on peut tous les aborder. C'est un sujet sur lequel on va revenir, sur que peut la bande dessinée et est-ce qu'on peut aborder tous les sujets. Mais avant cela, j'aimerais, on parlait tout à l'heure avec Pierre de l'évolution du secteur, de l'apparition de ces bandes dessinées documentaires et de reportages. David, en tant qu'auteur, votre première bande dessinée, vous me corrigez si je me trompe, c'était en 99 et elle s'appelait La littérature pour tous. C'était déjà de la bande dessinée de savoir. Vous avez ensuite rédigé l'éditorial du Monde diplomatique en bande dessinée. Puis avec votre complice Daniel Cazenave, vous avez rejoint l'aventure de la revue dessinée. Vous l'avez vu, cette évolution au fil des années, vraiment cet intérêt pour la bande dessinée documentaire, la bande dessinée de reportage. Et c'est vrai qu'au tout début, quand la revue dessinée a commencé à exister, il y en avait un peu, mais pas énormément. Alors qu'aujourd'hui, on voit énormément d'albums qui sortent, qui sont publiés, qui sont de la bande dessinée documentaire. Bien sûr, je l'ai vu, je l'ai suivi, j'ai toujours aimé ça, je dirais, depuis l'enfance, je veux dire, parce que déjà dans les journaux, dans les hebdomadaires Tintin, il y avait déjà des pages didactiques, donc ça a toujours existé, en fait. Et c'est vrai que, on va dire que dans les années 2000, ça a commencé vraiment à se développer, parfois même à se développer souvent un peu trop tôt. Par exemple, il y a l'aventure de la revue La Lunette qui était, il me semble, dans la région de Bordeaux, je crois, et qui déjà avait des auteurs comme Fabrice Naud, Davodeau, des grands auteurs qui ont fait de la non-fiction. Et cette revue a eu 6 ou 7 numéros, pas plus, et ça n'a pas... Et ça n'a pas fonctionné malgré les grands noms qui y étaient. C'était déjà une espèce de forme hybride qui faisait de la bande dessinée, du texte de reportage et du reportage photographique. Donc, ça préfigurait déjà un petit peu les revues 21 et 6 mois qu'on allait connaître presque 7-8 ans plus tard. Et en fait, ils étaient arrivés trop tôt. Voilà. Et donc, ça, c'est un élément comme ça qui fait qu'il y a toujours, il faut faire attention aussi de ne pas être là trop tôt. Il faut qu'il y ait une demande générale. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu, on va dire, une explosion en 2016 où là, effectivement, Casterman, Glénat, Dupuis, Le Lombard, plein d'Elcourt, plein d'éditeurs se sont lancés. En même temps, même sans concertation, dans ce marché, enfin ce marché, oui, c'est devenu un marché à part entière puisque le GFK, la société qui gère les galops sur les ventes et le marché du livre, entre autres. Ont inventé, créé une section non-fiction dès 2017 ou 2018, je pense. Donc, il y a vraiment eu un grand boom et ça a été... mais je ne me l'explique pas, je ne sais pas pourquoi La Lunette n'a pas marché alors que c'était déjà exactement ce que nous lisons aujourd'hui. C'est des événements comme ça, c'est comme le manga a été introduit dans les années, à la fin des années 70, avec une petite revue qui s'appelait L'écrit qui tue et qui avait déjà tous les grands noms du manga japonais. Ça a fait 5 numéros, ça n'a pas marché, il a fallu attendre 15, 10, 12 ans plus tard qu'il arrive avec des mangas pour que ça fonctionne. Pierre, je ne sais pas si vous avez la réponse à la question de pourquoi ça a marché, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous, peut-être en tant que lecteur, vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît dans ces bandes dessinées documentaires, dans ces bandes dessinées de reportages, qu'est-ce que cela vous apporte de différent de vos autres lectures ? Alors,
D'abord, je suis très heureux que David Van Darmelen évoque la collection Flash Marabout, parce que c'est une chose assez merveilleuse, mais c'est très intéressant ce que vous dites sur la question de la collection. C'est aussi Flash Marabout, qui donc à partir des années 50-60, c'est aussi un monde dans lequel tout savoir a une réponse dans un livre. C'est aussi cette époque-là, qui est une époque très singulière, qui sont les Trente Glorieuses, etc., et dans lequel effectivement toutes ces collections encyclopédiques sont là parce qu'il y a une espèce de demande de savoir considérable qui se développe avec l'accès aux études de beaucoup de personnes, et il faut une réponse, et dans un monde qui se complexifie, ce sont les livres. Alors, je trouve ça assez touchant, si vous voulez, que 40 ans, 50 ans, 60 ans après, il y a à nouveau ce mouvement-là, et qu'on retrouve par la bande dessinée l'idée qu'on puisse avoir des réponses, soit des questions, soit des savoirs qu'on veut acquérir dans les livres. Et qu'effectivement, on sait que les collections encyclopédiques classiques souffrent un peu, elles ont souffert parce que Internet, parce que 1000 supports maintenant pour acquérir des choses, et que effectivement, la bande dessinée, ce qui fait l'intérêt, je pense, de la bande dessinée documentaire ou de non-fiction, c'est que les gens y trouvent un mode de narration, je pense que ça tient vraiment à ça, qui donne un accès différent au savoir. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est un médium assez étrange, un médium qui est à la fois très savant et très intuitif. Moi, je pense que c'est assez savant dans sa conception. Si on se penche, on essaie de comprendre comment marche le rapport entre les cases, etc., c'est assez compliqué. Par contre, n'importe qui, et souvent, effectivement, les enfants, etc., ont un accès aux livres par des illustrés, puis des bandes dessinées, etc. N'importe qui voit, comprend comment on passe d'une case à l'autre et comment, en fait. Et c'est ce que vous disiez par rapport à Hakim, par exemple. Hakim, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est comment, ce que ça montre, c'est effectivement ce que ça rend visible, comme disait Leïla, des choses qu'on ne peut difficilement imaginer, où il faudrait des pages et des pages de description, mais surtout, ça rend compte du temps. C'est-à-dire que la force de la bande dessinée, c'est que c'est un média qui est un média du temps et qui transforme du temps en espace. Et c'est ça qui est génial avec la BD. Et je trouve qu'effectivement, et il transforme là du savoir en image. Et si on prend effectivement le cas de la BD Tech, typiquement, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est celui de Jean-Baptiste Torré sur le Nouvel Hollywood. Jean-Baptiste Torré, quelqu'un qui a fait plein de livres, plus ou moins savant que celui-là. Et dans ce livre-là, même en ayant lu ses autres livres, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses que je n'avais pas vues dans d'autres livres de Jean-Baptiste Torré. Et donc, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la façon, effectivement, dont un médium particulier va réussir à incarner une forme du savoir humain. Mais ça m'intéresse aussi dans la littérature, qui est quand on prend une littérature sur un sujet, je me dis toujours comment est-ce que l'auteur sur un sujet va faire pour transformer ce sujet-là, etc., dans autre chose. Enfin, si on prend le cas de Chanson douce, par exemple, qui est profondément un roman, qui est fondamentalement un roman et surtout fondamentalement la littérature, on imagine très bien quel affreux documentaire serait fait. C'est-à-dire qu'on voit très bien, effectivement, le traitement un peu sordide, simple, etc. Et comment, effectivement, il y a vraiment une opération, qui, de mon point de vue, est presque une opération alchimique, qui transforme une espèce de matériau qui est le fait divers en autre chose qui est la littérature. Et il y a un point limite de ça, parce que c'est aussi à l'origine du prix du réel, qui est le travail que fait Svetlana Alexievitch, qui est la question d'Alexievitch, elle est très compliquée, parce qu'effectivement, c'est de la non-fiction, mais on sait tous aussi que ce n'est pas simplement la transcription d'entretien. Donc il y a quelque chose qui est une opération et qui pour moi est vraiment l'opération de la littérature, qui est du travail, qui est une organisation, qui est du montage, etc., qui produit quelque chose qui est effectivement autre chose que le matériau qu'il a à l'origine. Et je pense que dans la question du savoir, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quelqu'un qui a un savoir et qui va échanger avec quelqu'un d'autre. Alors, des fois, c'est les mêmes. Hein. Des fois, c'est l'auteur de bande dessinée qui fait l'enquête lui-même et qui vont produire effectivement une modalité de présentation de ce savoir qui va produire, effectivement, qui va changer quelque chose chez le lecteur. Et justement, dans le cas où ce n'est pas une seule et même personne, où ce n'est pas un dessinateur ou une dessinatrice qui va sur place faire un reportage, mais dans le cas où il y a un spécialiste, un expert d'un domaine, dans le cas de la petite BDTech des savoirs, dans le cas, Leïla, de vos collaborations avec Laetitia Corinne et Clément Oubrery, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que je crois savoir que dans le cas de la petite BDTech, les spécialistes ne s'essayaient pas au scénario de bande dessinée, c'est-à-dire qu'ils fournissaient des textes qu'ensuite la plupart des dessinateurs et des dessinatrices transposaient en bande dessinée, qu'ils traduisait dans un langage bande dessinée. Je crois qu'il y en a une qui s'y est essayée au scénario de bande dessinée, mais que la majorité des spécialistes sont plutôt restés dans leur domaine, presque, j'ai envie de dire. Léla, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous vous êtes essayé au scénario de bande dessinée? Est-ce que c'était des échanges avec Laetitia et avec Clément et qu'eux vous proposaient des découpages? Comment est-ce que vous avez travaillé?
Ben, ça a été très différent dans les deux cas, parce que dans le cas de Sexe et mensonges, j'avais déjà mon essai qui était écrit, qui était prêt. Donc Laetitia, finalement, a essayé d'adapter ce que j'avais écrit à la bande dessinée. Et puis ensuite, je lui donnais mon avis ou des idées, mais elle avait une vision assez précise de comment elle allait procéder. Donc c'est plutôt elle qui, voilà, m'a donné les idées d'adaptation. Et pour À main nue, c'est très différent, puisqu'il n'y avait pas de texte de départ. Donc j'ai écrit une espèce de sorte de synopsis, quoi, très très détaillé, et ensuite j'ai dû commencer à penser en scène, en image. J'ai vraiment dû m'adapter à la forme narrative qui est celle de la bande dessinée, en me disant à chaque fois, mais tu as choisi de le faire en bande dessinée, donc il faut que ça ait un sens, il faut que l'image s'impose, il faut que tu lui laisses de la place. Or moi, je suis une auteure assez visuelle. Je pense que c'est Modiano qui dit ça. Il y a deux types d'écrivains, les écrivains de l'œil et les écrivains de l'oreille. Moi, je suis plutôt un écrivain de l'œil. Je vois les scènes avant de les écrire. Donc, j'ai essayé d'utiliser cette capacité que j'ai, ou cette façon de travailler que j'ai, qui consiste à voir les choses en scène. Donc, j'ai essayé d'enlever des mots et de laisser à l'image son potentiel, voilà, d'évocation, de sens, de force. Pour justement raconter donc cette histoire de Suzanne Noël, la pionnière de la chirurgie esthétique, oubliée de l'histoire, je dois dire que je n'en avais jamais entendu parler. Vous êtes très inspirée par les femmes qui s'écartent du chemin, vous avez entendu dire. Cette découverte, ça a été vraiment un moment où vous vous êtes dit, oui, il faut en faire quelque chose, c'est pas possible que cette femme ne soit pas plus connue. Ça a été ça le déclic ? C'est que vraiment, je suis tombée amoureuse d'elle. Enfin, j'ai eu un sentiment de très grande amitié, complicité, admiration pour cette femme que j'ai trouvée stupéfiante. Puis, c'est un truc aussi de romancier. C'est-à-dire que vous voyez des destins et vous êtes jaloux de ne pas l'avoir inventé. Vous êtes jaloux que ça ait vraiment existé et que ce ne soit pas quelque chose qui soit sorti de votre esprit. Et vous vous dites même que si vous l'aviez inventé, les gens vous diraient « mais c'est pas possible, c'est pas crédible », alors que sa vie est absolument, absolument incroyable. À la fois dans sa vie intime et dans sa vie professionnelle et publique et militante. Donc très rapidement, j'en ai parlé à mon éditeur en lui disant « Mais regarde, écoute, cette femme, c'est incroyable ce qu'elle a vécu. » Et il m'a dit « Oui, tu as absolument raison, il faut qu'on la fasse connaître, il faut qu'on la fasse exister. » Et c'est comme ça qu'est née la bande dessinée. Avec donc ce personnage féminin, et c'est vrai qu'on parlait des tendances, des choses qui apparaissent au fil des années. C'est vrai que les bandes dessinées qui retracent le parcours de personnages qui soient oubliés ou bien connus de l'histoire, il y en a de plus en plus. Il y a récemment au Festival d'Angoulême une biographie d'Anaïs Nin qui a été primée par le prix du public. Comment est-ce que on écrit justement ces parcours, puisque forcément c'est une question de choix, puisque c'est pas du tout la question d'être exhaustif et de raconter de la naissance à la mort tout ce qui est arrivé à cette femme. Comment est-ce qu'on fait ces choix? Est-ce que justement on pense aussi en termes de dessin, en se disant puisque c'est de la bande dessinée, c'est ça que je dois raconter? On voit bien comment est-ce que quand elle voit des femmes et qu'elle elle réfléchit à l'opération, elle tire le visage, comment est-ce qu'il y a des découpes du visage comme si on mettait à plat un petit peu la peau. Là c'est vraiment, on se dit effectivement il n'y a que par la bande dessinée qu'on peut raconter ça. Comment est-ce que vous avez travaillé cette biographie, à partir de quels éléments, et quelle est la part de fiction du coup forcément qui y a dans cet album? Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si j'avais écrit un roman, je l'aurais écrit de manière totalement différente, parce que j'aurais peut-être plus exploré la psychologie de ce personnage. Il y aurait eu des monologues intérieurs, il y aurait eu des choses beaucoup plus, disons oui, intimes sur l'âme de Suzanne Noël. Là, j'ai vraiment essayé de m'adapter à la forme et de construire un récit qui mette l'image à l'honneur. Et donc, je me suis beaucoup, dès le départ, intéressée au fait que Suzanne Noël, et ça c'est tout à fait vrai, était une grande collectionneuse d'art et une passionnée de peinture. Elle avait un rapport justement à l'image qui était très fort. Elle vit quand même début du 20e siècle, donc à la fois c'est l'émergence de courants de l'art moderne justement, et puis aussi de la photographie, puis bientôt du cinéma, de la publicité, de la mise en avant d'une certaine image de la femme aussi, changement dans les corps, dans les façons de s'habiller. Donc j'ai fait très rapidement le choix de raconter
raconter aussi Suzanne Noël à travers le regard qu'elle a et qu'elle porte sur le monde. Or, Suzanne, lorsqu'elle voit des corps qui sont ensanglantés, qui sont soit abîmés, soit détruits, ce qu'elle voit, elle, c'est un tableau. C'est une image qui n'est pas forcément belle, d'ailleurs, mais en tout cas, une image qui, chez elle, provoque un sentiment d'harmonie. Donc, voilà, j'aurais évidemment pas procédé comme ça si je l'avais raconté dans un roman. J'aurais trouvé une autre chose dans l'âme de Suzanne. Mais là, il m'a semblé que c'était la bonne idée, c'était de partir de tableaux de cette époque pour raconter comment elle voit le monde. Et raconter aussi qu'on peut être tout à fait féministe et accorder de l'importance à l'aspect physique. C'est aussi une question qui émerge dans ce premier tome, puisqu'il y en aura un second, de se dire, oui, on peut faire de la chirurgie esthétique et être féministe, et que le fait de pouvoir se sentir belle, d'avoir confiance en soi, c'est aussi un élément émancipateur. C'est ce qui permet aussi de s'affirmer. Bah, je dirais que, à l'inverse, je trouverais ça complètement stupide de considérer que pour être féministe, il faut accepter finalement des laideurs ou des défigurations ou des malformations. Qu'on fait la réflexion. Ouais, ça, qu'une bonne féministe, elle doit être, elle doit finalement subir à la fois les outrages, ça peut être les outrages du temps, mais ça peut être aussi un accident de voiture, ça peut être un cancer, ça peut être je sais pas quoi. Donc cette idée que une bonne féministe, elle devrait avoir une forme de mépris ou de condescendance pour tout ce qui a trait à une forme d'esthétique, une forme de beauté. Voilà, pour moi, le féminisme, c'est la liberté. C'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire sans être dépendant du regard des autres, mais simplement de son propre regard sur soi-même. Et puis surtout, Suzanne Noël, ça n'est pas du tout la chirurgie esthétique des années 2000. C'est pas une femme qui fait des bimbos et qui met du botox partout. C'est pas du tout ça. C'est une chirurgie esthétique à l'époque d'abord de la Première Guerre mondiale. Donc, ses premiers cas, ce sont les gueule cassée, donc ce sont des gens qui se suicident, qui sombrent dans des dépressions qui sont difficiles à imaginer aujourd'hui, tellement ils sont monstrueux. Ce sont des enfants qui ont des becs de lièvre, ce sont des gens qui ont des cicatrices dues à la syphilis, ce sont des... Voilà, donc c'est pas Pourquoi du tout... des comédiennes qui ont envie de rajeunir bien un sûr, petit peu. Bien sûr, il y a des comédiennes, et puis ça va devenir de plus en plus, hein, dans les années 40, 50, de plus en plus, il y aura des comédiennes qui se feront opérer, mais disons qu'en tout cas, ça n'est pas que ça, et puis même ce désir, voilà, d'être belle et puis de correspondre à un modèle qui est parfois le leur. Bon, pourquoi pas? Elle n'a pas du tout de jugement là-dessus. Et ce que vous montrez aussi dans l'album, c'est comment est-ce que des hommes ont cru en elle et comment est-ce qu'elle a été poussée, que ce soit par son mari, par son amant, par d'autres médecins qui lui ont permis de s'épanouir et d'accomplir ce qu'elle souhaitait accomplir. Oui, absolument. Et puis Suzanne, elle a cette qualité qu'ont des gens. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça, des gens dont vous sentez le premier instant où vous les rencontrez qu'ils ont une telle conscience de... C'est pas de l'orgueil, hein, mais ils ont une telle conscience de leur destin, de ce qu'ils ont à accomplir, qu'en réalité, vous vous mettez tout de suite de leur côté. Il ne vous vient même pas à l'idée de pouvoir essayer de vous mettre en travers de leur route. Il y a cette expression toute simple quand on dit « ils en imposent ». Je pense que c'est une femme qui en imposait. Et donc, elle a attiré autour d'elle des gens qui était fasciné par elle, par son charisme, par son intelligence, et qui ne pouvait pas faire comme s'il ne voyait pas le talent chez cette femme. C'est quand même une femme qui va avoir le concours de médecine du premier coup, qui va être quatrième à l'internat. C'est vraiment une femme d'une intelligence et d'une... Et puis sa vocation, elle l'embrasse totalement. Je pense que même sur le plan scientifique, c'était une médecin totalement, absolument exceptionnelle. David, vous avez vous aussi dressé le portrait de personnages exceptionnels en bande dessinée. Vous avez publié avec Daniel Casanave des récits biographiques, Nerval l'Inconsolé, notamment chez Casterman, mais aussi Chélet et Chamisso aux éditions du Lombard. Seul au scénario et au dessin, vous avez retracé la vie de Fritz Haber, scientifique juif allemand, prix Nobel de chimie, qui a mis au point, entre autres, le gaz moutarde. Quel plaisir particulier est-ce que c'est de partir sur les traces d'une personne qui a existé, d'essayer de cumuler énormément de documentation pour réussir à la cerner le mieux possible, et d'ensuite choisir un point précis de son histoire, ou en tout cas de choisir ce que vous allez raconter de l'histoire de cette personne, ce que vous allez donner à découvrir au lecteur. Quel est le plaisir de travailler sur ces biographies dessinées? Oui, voilà, c'est le plaisir des sources, en fait. C'est essayer
En fait, moi, je travaille avec, j'ai très peu d'imagination. Donc, je vais vraiment. C'est pour ça que j'aime bien les biographies, parce que je vais chercher les informations dans les livres et je les mets en scène, en fait. Donc, c'est un vrai plaisir de se reconstituer mentalement ce que l'on lit et imaginer la reconstruction d'un passé. C'est vraiment mon travail sur Fritz Haber, c'est vraiment ça, puisque les dialogues de ces bandes dessinées, j'en ai pratiquement inventé aucune. Ce sont que des dialogues qui ont été pris dans des courriers, dans des textes, dans des dixit, dans des discours. Et donc, c'est un vrai plaisir de donner chair à ce genre de passé, tout en étant totalement conscient qu'on propose un passé évidemment imaginaire, mais qui tend à être le plus juste possible. En fait, c'est même pas une question d'être juste, c'est une question d'être que le lecteur y croit. Voilà, et c'est pour ça que j'ai une accumulation de petits détails. Je mets des petites informations partout, en fond d'image, des choses non dites et tout ça, des petits détails que je vais parfois mettre des heures à aller chercher une documentation bien exacte. Le lecteur ne perçoit pas ce genre de choses, mais il le pressent. Il se doute, il se dit, tiens, en lisant ces choses-là, en regardant ces images, on comprend qu'il y a un travail derrière et que ça touche peut-être au réel. Et donc, le lecteur est, à mon avis, alors embarqué dans quelque chose qui fait qu'il adhère au récit qu'on lui propose. C'est un petit peu ma façon de travailler. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué là-dedans? C'est justement de renoncer parfois à certaines choses, à certains éléments, parce que, on le disait tout à l'heure, on ne peut bien évidemment pas tout raconter, ça n'aurait pas d'intérêt, en plus, sans doute, d'avoir quelque chose de complètement linéaire et chronologique qui dresserait point par point tous les points de la vie d'une personne. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué? J'essaye de m'imaginer, de me figurer en train de chercher énormément de documentation sur une personne, en train de me plonger, d'être vraiment à ses côtés, et j'imagine que j'aurais envie de tout raconter. En réalité, est-ce que c'est compliqué de réussir à faire ces choix, ou est-ce que justement aussi avec l'expérience, parce que vous avez publié plusieurs albums, parce que aussi il y a une complicité justement sur les autres biographies dont je parlais, pas Fritz Haber, mais les autres sur lesquelles vous travaillez avec Daniel Cazenave, que vous connaissez très bien, donc j'imagine qu'il y a aussi quelque chose où vous savez ce qu'il va dessiner, comment il va réussir à transmettre une émotion, comment est-ce qu'il va dessiner une scène. Donc j'imagine que ça fait partie aussi des choix qui peuvent être influencés par le traitement graphique. Voilà, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans, et comment est-ce que vous avez l'impression d'avancer et de vous améliorer dans cet exercice? Oui, c'est très évidemment, c'est très très difficile. Là, pour mon travail sur Fritz Haber, j'ai déjà publié 4 volumes, et le récit final fera près de 1000 pages, donc ce qui est déjà beaucoup pour un récit en bande dessinée. Effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce que je ne vais pas dire, ce que je vais retirer. Et c'est là aussi que l'on. Je pense que c'est plus ça qui est presque intéressant, c'est de qu'est-ce qui manque, quoi. Par exemple, dans mon récit sur Fritz Haber, qui est quand même un personnage assez. Abominable à tout point de vue, complexe en tout cas, eh bien, sur ces 1000 pages, il n'y a pas de femmes, il y a très peu de femmes. Il y a juste sa femme qui a été vraiment une victime de son mari, et le fait qu'elle soit la seule renforce encore plus cette question cette idée de malaise. La même chose pour, par exemple, c'est un conflit sur la guerre, la première guerre,
Il n'y a pas de soldats, y a que des soldats allemands. On ne voit que des soldats allemands. À un moment, je montre des soldats français et ce sont des cadavres de Sénégalais. C'est la seule fois où on en voit. Et donc, en fait, je pense qu'il y a, y a et les choses qu'on ne dit pas et qu'on ne montre pas dans un récit, eh bien, ça transpire et ça. Et ça, et ça, et ça, et ça les lecteurs le voient et le et c'est et ça ajoute aussi peut-être à la dramaturgie et au et que c'est en même temps parce que on ne parle pas de ces gens-là que on pense tout le temps à ces gens-là c'est l'histoire de l'éclipse quand quand la lune cache le soleil, tout le monde regarde, tout le monde ne pense qu'au soleil. Ben voilà, c'est la même chose. Vous le disiez, 4 tomes sont sortis. Il y en aura 6, je crois que c'est avec 6 qu'on Et atteindra voilà. les 1000 pages. Le premier tome est paru en 2005, donc ça fait 15 ans que vous vivez avec ce personnage, même si bien évidemment vous avez publié d'autres albums. Est-ce que c'est justement, comme ce n'est pas encore terminé, un personnage qui est avec vous en permanence, qui vous accompagne, même quand on va parler bien évidemment de Sapiens, quand vous travaillez sur d'autres œuvres, j'imagine que c'est quelque chose de tellement énorme, en fait, comme histoire, que c'est tellement marquant pour le lecteur, mais j'imagine pour l'auteur qui n'a pas encore justement été jusqu'au bout, ça doit être quelque chose de très fort. Oui, c'est un personnage qui, effectivement, je suis étonné que je suis toujours aussi, enfin, que je n'en sois pas lassé. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà prononcé le mot Fritz Haber dans ma vie, mais ça doit être assez effrayant. Je ne préfère pas avoir les chiffres. Effectivement, j'ai commencé en 99 quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Et effectivement, mais c'est parce que aussi c'est un travail, grâce à cette biographie, en fait, Fritz Haber n'est qu'un prétexte pour raconter une période une condition des Juifs allemands au début du siècle. Et en fait, grâce à lui, tous mes sujets, tous mes thèmes qui m'importent, qu'ils soient historiques, philosophiques, éthiques, eh bien convergent par Fritz Haber et par les personnages qu'il a côtoyés. Donc, et c'est vrai que j'ai fait un gros travail, par exemple, pour comprendre mes personnages, je me suis intéressé à savoir quels étaient leurs auteurs de chevet. Bon, par exemple, pour Haber, ses auteurs de chevet, c'était Thomas Carlyle, un auteur qu'on ne lit plus, et Schiller, qu'on ne lit plus beaucoup non plus, malgré qu'il soit quand même beaucoup plus connu que Carlyle. Eh bien, j'ai tout lu de ces gens-là. Même chose pour mes autres personnages, Einstein, par exemple, qui adorait Heinrich Heine, j'ai tout lu, pour essayer de comprendre qui étaient aussi ces gens dans leur intimité. Et donc, en fait, finalement, ça fait ma propre. Ce travail fait ma propre culture et fait mon propre intérêt intellectuel, en fait. Donc c'est un. J'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. C'est un vrai plaisir personnel que d'apprendre et de se dire, bon, bah, tiens, j'aime apprendre, j'aime autant développer ça aussi dans ce que je sais faire. C'est une des rares choses que j'arrive plus ou moins à faire correctement, c'est-à-dire la bande dessinée. Et juste comme on en parle pour les lecteurs, quand est-ce qu'on pourra lire le tome 5? Est-ce que vous le Ah, ça, savez c'est à déjà? vous. Non, il fallait pas poser cette question. Donc on enchaîne, Pierre. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant tout ce qu'on disait autour des biographies dessinées, des récits historiques de manière plus générale qui permettent réellement d'être immergé en tant que lecteur, d'avoir quelque chose de très immersif et de pouvoir revivre ces périodes.
Oui, alors ça c'est très intéressant et ça me permet juste de revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que vous disiez parce que ça rejoint votre question qui est à la fois la question des publics et la question des formes. Et effectivement, dans le grand changement parmi les publics, il y a effectivement une grande féminisation du lectorat. C'est-à-dire que la BD a longtemps été un genre genré. C'est-à-dire que longtemps, ça a été l'idée d'un lieu de divertissement, du divertissement par l'aventure, etc. Donc passé la prime enfance où les choses sont assez mélangées garçons-filles, généralement au tournant de l'adolescence, les garçons continuaient à lire des bandes dessinées et les filles c'était un peu différent. Donc ça a été vrai assez longtemps, on l'observait presque mécaniquement dans la librairie en tant que lectorat. Et c'est vrai qu'évidemment depuis au moins une quinzaine d'années les choses ont commencé à changer et vraiment beaucoup maintenant. Et c'est là qu'intervient effectivement la question de la biographie et la question plus spécifiquement des biographies de femmes qui rencontre depuis un certain nombre d'années un très très grand succès et qui fait qu'effectivement on a un lectorat qui coïncide avec une offre et avec un esprit du temps qui est la volonté, la possibilité d'avoir une visibilité des biographies de femmes, comme vous pouvez faire sur des femmes invisibilisées ou sur des femmes méconnues, sur le cas d'Anaïs Nin qui finalement est souvent pour beaucoup de gens un nom comme ça dans l'histoire de la littérature mais personne ne sait véritablement sa vie propre et puis surtout quand on parle d'elle c'est surtout pour dire que c'était la copine de Miller donc il y a cette dimension là qui est très forte. Et je précise que c'est une bande dessinée de Léonie Bischoff, puisque je ne l'ai pas citée tout à l'heure. Et puis par ailleurs, c'est une bande dessinée qui est objectivement absolument magnifique qui rejoint par rapport à ce que disait David van der Meulen aussi, sur la question de l'ellipse, sur la question de l'affectivité, sur la question de la représentation du corps, sur la présentation de l'irreprésentable. La BD travaille ça en permanence, puisque évidemment, c'est les questions de l'articulation entre l'ouverture à la sensualité et à la création et tout ça. Enfin, et donc, si vous voulez, et évidemment, le succès absolument considérable des culottés de Bagieu, qui là, de 5 ans à 95 ans, a un lectorat absolument considérable, avec quelque chose, et je le dis vraiment sans aucune critique, qui relève quasiment de l'exemplarité. Et je pense que c'est un peu le cas, pour le coup, dans le cas d'Adamani aussi. Il y a quand même l'idée, malgré tout, même si c'est une biographie, la biographie, elle a toujours un horizon exemplaire ou contre-exemplaire, hein, dans le cas de Fritz. Mais c'est toujours quelque chose qui est présent. Pourquoi est-ce qu'on lit la vie des gens ? On lit la vie des gens parce qu'il y a un moment, est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est un contre-modèle ? Comment font les gens pour vivre ? Comment est-ce qu'ils font pour élucider ce mystère affreux qui est que la vie est quand même un long cauchemar ? Eh bien, on a besoin d'avoir des modèles pour s'en tenir. Et ce qui est très intéressant de la BD biographique, si vous voulez, c'est qu'elle arrive aussi à un moment où la biographie, en tant que genre littéraire ou historique, ne va pas très bien d'un point de vue éditorial. Ou, au contraire, s'enfonce dans quelque chose qui est ce qu'on appelle la biographie à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire là, véritablement, vous avez en 1000-1200 pages tous les détails possibles et imaginables des agendas, et le 12 février 1984, il a pris un taxi pour aller au Trocadéro. Alors, quel était le montant de la note ? Voilà, exactement. Mais ce qui est une vision, effectivement, de quel fantasme, par ailleurs, souvent derrière toute biographie, qui est l'exhaustivité. Et effectivement, la bande dessinée et la façon dont la bande dessinée se saisit de ça, alors c'est presque une contre-exemplarité avec David, puisque là, ça va faire 1000 pages, mais néanmoins, c'est ce qu'il dit, c'est très juste, la question de l'ellipse dans la biographie, elle est absolument décisive. Et qu'est-ce que c'est que l'ellipse ? En fait, c'est l'idée, c'est comme au cinéma, c'est qu'en fait, on part du principe que le lecteur, le spectateur, va poursuivre mentalement ce que vous ne montrez pas. Et donc, il y a aussi une chose qui est très forte et qui a joué dans le changement de perception de la bande dessinée et qui fait qu'effectivement, il y a une légitimation beaucoup plus forte du genre qu'il y en avait il y a 15 ou 20 ans, c'est l'idée qu'on postule l'intelligence du lecteur. Et qu'au contraire, ce n'est pas un support qui est un support de pur divertissement. Voilà. C'est un support qui, effectivement, a une intelligence propre et qui fait qu'on apprend des choses. Et non seulement on apprend des choses qui sont explicitement dites, mais on apprend aussi des choses qui ne sont pas dites. Et ça, je pense que ça participe beaucoup du succès de ces biographies-là. Et puis, dans le cas des biographies féminines, il y a aussi quelque chose de l'ordre, quand vous parliez de l'exemplarité, de quelque chose qui donne de la force aux lectrices, aux lecteurs aussi certainement, mais j'ai un souvenir justement, puisque vous en parliez de Pénélope Bagieu, d'avoir assisté à des séances de dédicaces où justement les lectrices lui disaient à quel point d'avoir découvert ces personnages de femmes qui étaient fortes, ça leur avait donné à elles-mêmes la force de se battre et de vouloir atteindre des choses ou bien même de faire des sujets d'études. Je me souviens d'une jeune fille qui voulait faire, je crois, un sujet de son sujet de mémoire sur la fille de Marx et qui allait abandonner, qui a lu Les culottés et qui a dit mais non, il faut que cette fille, j'en fasse quelque chose et qu'elle existe aussi. De la même façon, on parlait de votre personnage, Leïla, de se dire c'est pas normal en fait que ces femmes n'existent pas dans la mémoire collective, dans les ouvrages scientifiques, même dans les ouvrages historiques, et donc la bande dessinée quelque part peut réparer un petit peu ça.
Pour le coup, c'est une question qui travaillait beaucoup Leïla Slimani de ce que peut un livre. Mais moi, je vois typiquement sur une bande dessinée comme L'Origine du Monde de Lindquist chez Rackham, objectivement, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que la façon dont cette bande dessinée qui raconte justement la question du sexe des femmes et dont il est perçu et dont, dont les hommes ont beaucoup déliré, surtout médicalement, pour y bloquer l'accès aux femmes elles-mêmes, etc. C'est, pour moi, c'est une bande dessinée qui produit un effet. C'est-à-dire qui produit un effet sur la conscientisation à la fois organique et politique, si l'on veut, des jeunes femmes par rapport à leur propre corps. Donc il y a quelque chose qui est très impressionnant. Et on voit dans la librairie la façon dont la recommandation circule. Et que c'est typiquement une bande dessinée qui, objectivement, n'a pas fait forcément l'ouverture, l'objet d'une couverture médiatique extrêmement forte, mais qui, depuis des années, se vend par le bouche à oreille de jeunes femmes et de femmes moins jeunes. Et c'est devenu presque un mot de passe, comme il y a des livres qui sont en littérature, qui sont des mots de passe qu'on confie à ses amis en disant bah, « si tu aimes ça, tu feras partie de mon cercle amical ». Là, il y a l'idée, il y a un partage d'une communauté de savoir, justement, par rapport à un sujet en particulier. Mais moi, je ne suis pas persuadée, en tout cas, qu'il faille tomber dans le piège du modèle. Parce que finalement, si c'est juste pour statufier ces personnages et les mettre sur un piédestal, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est d'avoir des modèles de femmes qui sont aussi faillibles, qui ont aussi des défauts, qui se trompent, qui ne sont pas des mères parfaites, pas des épouses parfaites, qui ne sont jamais parfaites, qui se battent comme tout le monde. Donc, moi, j'ai un peu de mal, par exemple, avec cette vogue qu'il y a dans les pays anglo-saxons de vouloir absolument constituer une espèce de matrimoine avec des personnages qui seraient toujours brillantes, extraordinaires. Je trouve qu'on se sent encore écrasé d'une certaine façon. On a toujours écrasé les femmes sous des modèles. Si c'est pour être encore écrasé sous ces modèles de femmes fortes, de superwoman, moi je trouve pas ça très intéressant. Non, mais on peut entendre effectivement le mot modèle aussi comme des figures qu'on peut voir, en fait, puisque effectivement, il y a de plus en plus de lectrices, il y a de plus en plus d'autrices, et donc il y a de plus en plus aussi de personnages féminins intéressants en bande dessinée qu'il y a quelques années. Et donc c'est dans ce sens-là qu'effectivement, avoir des modèles, avoir juste des femmes, en fait, des récits qui mettent en scène des femmes qui se battent et qui font des choses, et effectivement, avec ou pas la réussite au bout, c'est pas ça le plus important finalement. Oui, c'est ça. Pour moi, le plus important, c'est comme ce mot résilient. Pour moi, le plus important, c'est pas que les gens soient résilients, c'est qu'ils soient résistants. C'est de résister aux choses. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est pas résilients. Les grands drames de la vie, ils nous fracassent, ils tuent une partie de nous. Donc ce truc de la résilience, pour moi, c'est très, très abstrait. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment, malgré tout, on survit. Comment on survit, qu'à bosser, on va boiter, on va être plus fragile, mais on survit. Et c'est vraiment, je vois vraiment ça beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, où je trouve qu'il y a maintenant cette espèce d'obsession pour des figures de femmes que moi je trouve parfois non seulement écrasantes, mais en réalité pas très réelles. Enfin, il y a quelque chose chez elles qu'on n'arrive pas à saisir à force de vouloir en faire des super women et des super modèles. Moi, c'est pas ça qui me touche chez les gens. Ce qui me touche chez les gens, c'est leur faillibilité, oui. Ce qui est très beau dans Amanu, pour le coup, c'est que c'est vraiment un personnage... Oui, c'est ce que j'ai aimé chez cette femme. Voilà, c'est qu'elle est très complexe. Son propre rapport à son enfance, c'est une mère complexe. Ça a été une enfant complexe. C'est une femme qui a eu un rapport à l'amour qui n'est pas le rapport à l'amour qu'on attend des femmes qui sont censées s'oublier complètement dans le couple et dans la maternité parce qu'elle ne pense qu'à ça, à s'occuper des autres et à être là pour les autres et à être aimée. Dans son rapport avec sa fille au début, absolument, on le voit bien aussi. Absolument. Ouais. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressée chez elle. Ouais. Peut-être revenir d'un mot, on évoquait tout à l'heure le fait qu'une bonne bande dessinée n'était pas uniquement une bande dessinée qui aurait des vertus pédagogiques, justement, qui expliquerait bien un sujet, mais qu'il y avait dans la non-fiction la manière de faire de la bande dessinée, d'exploiter au maximum les possibilités de ce médium. Et je me tourne vers vous, David, puisque vous avez relevé le défi d'adapter Sapiens en bande dessinée de Yuval Noah Harari, donc publié chez Albin Michel, je le disais, avec Daniel Casana au dessin, donc un complice que vous connaissez depuis de nombreuses années. Comment est-ce qu'on se lance dans l'adaptation d'un tel livre, puisque justement, il ne faut pas tomber dans le piège, quelque part, d'être dans de l'illustration. Et d'ailleurs, c'est je vais écorcher son nom à chaque fois, désolé, Yuval Noah Harari, qui disait dans le JDD, je le cite, quelque chose que je trouvais très intéressant, « La bande dessinée nous a contraints à réfléchir plus profondément aux questions posées. Quand on dessine des choses, il faut absolument répondre aux questions.
Dans un texte, on peut se contenter de les ignorer. Par exemple, on peut écrire dans un livre que les humains ont inventé le feu. Mais quand vous voulez les dessiner, il faut décider à quoi ils ressemblent, ces humains. Est-ce qu'ils sont noirs, blancs ? Est-ce que c'est une femme, un homme ? On ne peut pas se contenter de dessiner une forme humaine. Dans une BD, on ne peut ignorer aucune question. Donc là où on a le sentiment que la bande dessinée permet de faciliter les choses, d'arrondir, d'être dans quelque chose, dans une approche plus accessible, en réalité, c'est beaucoup plus complexe pour rendre tout ce savoir accessible. Oui, oui, c'est très, très complexe. Et si... tellement complexe que Daniel et moi, on a accepté ce projet avec une totale inconscience et insouciance, parce que on ne voulait absolument pas savoir les difficultés que on savait que ça allait nous tomber dessus et il fallait pas y réfléchir parce que sinon on aurait dit non directement en fait. Oui, c'est très intéressant parce que et ça c'est quelque chose que j'ai que Yuval Harari il s'est rendu compte de ça. En fait, je lui disais écoute ton texte avec l'image il va y avoir une ironie. Et en fait, il y a déjà une ironie supplémentaire. L'image l'image n'est pas neutre et elle va grossir le trait de ton propos. Et en fait, ce qui est déjà assez intéressant parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte déjà au travail même de la traduction initiale en français. C'est-à-dire que ce texte, à la base, pensé en hébreu, traduit en anglais par Yuval, probablement, je pense, avec l'aide de quelqu'un, et après traduit en français. Il se trouve que la traduction française a un vocabulaire très juste, parce que la grammaire du français arrive à rendre. Il y a dans les constructions de phrases de l'ironie qui est mise. Et en fait, c'est donc déjà la traduction française est un peu plus ironique que l'anglo-saxonne. Et en fait, quand on est arrivé avec les images, ça a été très très compliqué. Et donc il y a eu un énorme travail, c'est pour ça qu'on travaille avec Yuval, qu'il est vraiment, c'est pas un travail où je fais mon scénario et Yuval le valide et le supervise. Non, il est vraiment impliqué directement dans la réécriture, la transposition, je voudrais même dire, parce qu'on essaye d'être pour le coup exhaustif par rapport à l'ouvrage, et il y a un vrai souci que son propos reste pur comme il l'a imaginé dans cette autre langue qu'est le langage bande dessinée en fait. Et justement, il y a eu beaucoup de points à préciser. L'exemple qu'il donnait dans cet entretien au JDD de l'homme et du feu, de la question de la représentation, est-ce que ça arrivait justement souvent dans cette adaptation de se rendre compte en fait que des choses qui pouvaient paraître précises à la lecture, j'imagine que vous avez fait plusieurs lectures de l'ouvrage avant même d'accepter le projet, des choses qui pouvaient paraître évidente en se disant oui là-dessus il n'y aura aucun problème, de se rendre compte qu'au moment justement du passage au dessin, ben, oui en fait il y avait besoin d'éclaircir beaucoup de choses. Oui, c'était très compliqué. Alors pour aussi la documentation comme c'est un livre qui traverse 70 000 ans d'histoire. Donc effectivement les années les plus anciennes, on a très peu de documentation. Et donc, il a fallu quand même, mais on a dû chercher quand même de la doc, parce que c'est des choses qui ne sont pas. Alors, d'accord, Daniel a un dessin qui est assez libre, mais qui tout de même se réfère à une certaine justesse historique. Donc il a fallu déjà faire ça. Et puis après, oui, c'est vrai qu'il y a des dans l'idée de la représentation
comme ça, c'est quelque chose que moi, et ni Daniel, nous n'avons pensé. Il se trouve que les ouvrages de Yuval sont traduits en une quarantaine de langues et ils sont disponibles sur plus de 65 territoires. Et donc, en fait, il fallait trouver des images qui soient compréhensibles. Ben, autant au Pérou qu'en Chine, qu'en Scandinavie. En fait, ça a l'air de rien comme ça, mais une fois qu'on y pense, c'est assez effrayant parce qu'en fait, on est totalement tétanisé. Et c'est aussi quelque chose qui fonctionne pour l'image, mais aussi pour le texte. Parce que moi, j'ai dû amener, c'est pas que j'ai dû, mais c'est ma façon de faire, j'ai amené de l'humour. Mais est-ce que l'humour est-ce que mon humour va fonctionner sur tous les continents? Et c'est comme ça, pas mal de blagues et pas mal de choses que Yuval, avec quand même son feeling et son expérience, me dit bon, ben, ça, tu oublies ça en Chine, ça ne va pas marcher. Ah bon, ok, d'accord. Et ça, c'est quand même. Enfin, c'est très enrichissant, c'est très intéressant. Mais enfin, Daniel et moi, on voit ça comme un jeu parce que je pense que c'est quelque chose de un projet éditorial assez exceptionnel, effectivement, d'être comme ça, d'avoir cette chance d'être publié en même temps dans tous les pays, parce que c'est pas le livre qui a été. Notre bande dessinée a été éditée en France, mais d'habitude, après, il y a un succès, et puis alors, les traductions qui arrivent, là, ça a été. Les traductions arrivent. Là, c'était déjà en amont, en même temps. Donc, il a fallu penser à l'écriture et au dessin en amont, en pensant à tous ces marchés potentiels. Et c'est pour un souci de lisibilité, justement, que vous avez décidé de mettre en scène Yuval, de faire en sorte qu'il apparaisse. Je pense à d'autres récits documentaires ou de reportages où les dessinateurs, les dessinatrices se mettent en scène à la rencontre des gens. En l'occurrence, souvent, c'est pour aussi assumer une subjectivité et l'idée qu'on ne sera pas justement exhaustif puisqu'ils nous prennent la main et on est à leur côté pour découvrir les univers qu'ils nous font découvrir. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Ça a été le fruit de longues discussions ou c'est apparu comme une évidence qu'il fallait qu'il apparaisse puisqu'il vous accompagnait dans cette adaptation? C'est apparu comme une évidence parce que, alors c'est vrai que c'est pas l'idée la plus originale et souvent c'est assez casse-gueule comme procédé, mais en fait je savais aussi que là on était sur on est aussi sur 1000 pages pour faire. Je suis abonné au livre de 1000 pages, excusez-moi. Et il fallait faire ce. Il fallait trouver des idées différentes. Il fallait faire évoluer le narratif, en fait. Et surtout éviter le sacré carton off image. Auquel on n'échappe pas, évidemment, il y en a dans le livre, mais il fallait essayer de les éviter le plus possible et d'incarner le texte en dialogue. Et donc, il fallait, et j'ai pensé vraiment j'ai dit à Yuval, bon, il faut t'incarner. Au début, il ne voulait pas, il était contre cette idée. Parce que, c'est assez compréhensible, parce que le livre Sapiens de Yuval, qu'est-ce que c'est? C'est un. Il n'y a qu'à voir les notes de bas de page et la bibliographie de ce livre pour le comprendre. En fait, c'est une synthèse de tous les ouvrages que Yuval a lus sur la question et il agence des idées et les dernières recherches historiques
anthropologique et scientifique sur la question. Et donc, en fait, il dit, si on me montre moi, je vais un peu tirer la couverture à moi et tout ça, il n'avait pas envie de ça, ce qui était tout à fait compréhensible. Et là, je lui ai dit, ben, écoute, alors on va incarner d'autres, tu vas être entouré d'autres personnages, et si bien que c'est un travail assez complexe pour moi parce que Yuval, qui à la base est un personnage dans la vie, il est historien, historien même médiéviste, donc rien à voir avec ce que nous parlons pour le moment dans ce premier tome sur évidemment la préhistoire. Et donc en fait, Yuval est une sorte de personnage un petit peu de Monsieur Loyal qui emmène le lecteur, mais qui s'efface assez vite pour donner la parole à d'autres. Yuval va parler finalement que de faits purement historiques, mais on a un professeur qui est un théologien, qui est un protestant. Il y a une scientifique qui est Saraswati, qui est une scientifique indienne. Il y a même un super-héros qu'on a appelé Dr. Fiction, qui est un personnage qui va raconter tout ce qui est, effectivement, les fictions que les sapiens vont imaginer. Et donc, en fait, chaque fois, moi, je vais essayer d'attribuer chaque partie de texte à la personne de référence. Quand une phrase parle de biologie, eh bien, c'est ce personnage-là qui va diffuser cette. Ce qui est très compliqué parce que, évidemment, Yuval, dans ses phrases, peut parler de théologie, de biologie et d'histoire dans la même phrase. Et donc, c'est un vrai casse-tête. Mais c'est ça aussi l'enjeu et le pari du projet. Vous réussissez à dormir quand même un tout petit peu avec tout ça? Oui, mais c'est assez compliqué effectivement parce que je n'aurais jamais imaginé qu'un scénario puisse me prendre autant de temps. C'est vraiment surtout quelque chose qui est déjà écrit et qui en fait à la base n'est censé qu'être une transposition. Parce que c'est ça aussi le but du jeu, c'est de ne pas réduire le texte original. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, encore, je pense, des livres de sciences humaines qui sont transposés tels quels et dans leur intégralité. Je pense que c'est quelque chose qui est assez... encore assez rare et qui j'espère va se développer. Et d'ailleurs je pense que l'étape prochaine que nous allons voir, c'est que de grands intellectuels vont commencer à écrire directement pour la bande dessinée. On l'avait déjà fait dans la petite bibliothèque des savoirs avec Christian Rosset, qui a fait un livre sur le minimalisme avec Jochen Gerner. Et le texte que Christian a écrit, c'est un essai qu'il n'avait pas écrit à l'avance, qu'il n'avait pas de notes à l'avance. Et c'est d'ailleurs un titre que j'aime beaucoup parce que c'était une approche du minimalisme, mais dans toute sa diversité, c'est-à-dire autant dans l'architecture que dans la bande dessinée, que dans la peinture, que dans la musique. Et à ma connaissance, enfin, on a cherché, il n'existait pas encore d'ouvrage qui aborde le minimalisme de façon globale. Christian a écrit un essai comme ça, directement pour la bande dessinée. Et je pense que ça, c'est quelque chose, une évolution que j'espère que l'on va voir. On va avoir des philosophes qui vont se dire, ah bah tiens, ça, ce sujet-là, en fait, il faudrait que je trouve un dessinateur et que je le développe directement en bande dessinée. Pierre, je j'espère qu'on ira vers quelque chose comme ça.
Oui, ben on le voit venir effectivement. Et puis, il y a une dimension qui est toujours importante malgré tout, qui est la dimension économique. C'est-à-dire dès lors que dans ce qu'est actuellement la façon dont les livres se vendent, la visibilité qui est donnée à la bande dessinée est telle qu'effectivement, un certain nombre d'auteurs, ce qui est parfaitement compréhensible, se disent que c'est l'occasion de donner une visibilité plus grande à leurs écrits. Après, je pense que par exemple, le travail que fait la découverte autour de leur actuelle histoire de dessinée de la France, elle est complètement dans ce que dit David Van Darmelen. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce sont des historiens spécialistes de la période, mais qui vont néanmoins produire un contenu spécifique. Et ce qui est très impressionnant de cette histoire, que moi je trouve plutôt très réussie, c'est à quel point elle est, comme est l'histoire maintenant, c'est-à-dire un récit et une historiographie. C'est-à-dire qu'elle a réussi dans le même mouvement à rendre compte de ce qui, entre guillemets, s'est passé dans la logique du récit historique, et en même temps de dire quelles sont les difficultés, les discussions actuelles sur la question de la Renaissance, du Moyen-Âge, etc. Puis la série s'était même ouverte sur un livre entier sur le roman national et sur est-ce qu'il y a un roman national, pourquoi, comment ça se construit, etc. Le tout avec une espèce de promenade assez folle. D'Étienne Davodeau, tout à fait, voilà, où il y avait le transport du cercueil de Pétain à travers la France en figure de qu'est-ce que c'est que le roman national. Et là, typiquement, on est sur un ouvrage de création pure. C'est-à-dire qu'on imagine, quand on pense à ce qu'on a pu connaître dans les années 60-70 de ce qu'étaient les histoires de France dessinées, là, pour le coup, qui étaient vraiment des livres d'images. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il fallait que la représentation d'Alésia ressemble non pas à éventuellement ce que ça aurait pu être, mais elle devait ressembler à la représentation d'Alésia issue du 19e et de la peinture pompière. Donc, c'était complètement autre chose. Là, on a tout ça est, entre guillemets, effacé. Et effectivement, là, on est sur, à la fois, je trouve, parce que c'est le choix que fait la découverte, on va dire le meilleur de ce que la bande dessinée a dans sa génération actuelle de gens très inventifs et très différents graphiquement, des gens qui sont plutôt du côté du réalisme, des gens qui sont du côté quasiment de l'abstraction, et en même temps adossés à un savoir tenu par des historiens eux-mêmes. Et donc c'est absolument passionnant comme aventure intellectuelle. C'est passionnant et c'est aussi parfois, je crois savoir, assez éprouvant pour les dessinateurs et les dessinatrices. Justement, on évoquait tout à l'heure l'écriture même des chercheurs, des historiens ne sont pas des scénaristes de bande dessinée. C'est pas forcément toujours évident, mais en tout cas, effectivement, c'est une réussite dans le cas de la découverte et les albums qui sont publiés, qu'on vous encourage tous à aller découvrir, sont extrêmement, extrêmement réussis. On parlait tout à l'heure de la figure de l'auteur qui apparaît dans la bande dessinée. Leïla Slimani, on peut vous voir d'ailleurs dans la bande dessinée avec Laetitia Corinne, vous apparaissez. C'est vrai que ça, c'est aussi une main tendue, je trouve, aux lecteurs souvent dans les ouvrages, c'est-à-dire que d'un seul coup, on sait avec qui on est et on est aux côtés de la scénariste ou du scénariste. Ça a été une évidence là aussi, comme pour Yuval, où rapidement ça s'est mis en place, même s'il lui a eu quelques hésitations. Est-ce que vous avez eu quelques hésitations à apparaître dans cette bande dessinée ou est-ce que finalement on vous a dit, mais oui, effectivement, c'est la meilleure façon de prendre la main à mes lecteurs? Non, il n'y avait pas d'hésitation parce qu'au contraire, il y avait deux choses qui étaient importantes. La première, c'était de montrer que ce n'est pas un hasard si ces femmes m'ont parlé à moi. Parce que j'étais à ce moment-là une jeune femme écrivaine, romancière, qui avait publié un roman sur la sexualité, qui avait un peu choqué au Maroc, en tout cas interpellé, étonné les gens, et que donc les gens me reconnaissaient, les femmes me reconnaissaient. Et donc elle disait, ah, vous êtes Leïla Slimani, donc je peux vous parler, je sais que vous allez me comprendre. Et ensuite, il y avait le désir de montrer ce que c'était tout simplement d'être une femme dans l'espace public qui va se promener pour aller rencontrer d'autres femmes à qui elle va demander de parler avec une certaine liberté. Donc montrer que on rentre dans des lieux, on se cache dans des endroits, qu'il y a des contextes particuliers dans lesquels la parole d'un coup peut se délier. Et puis tout simplement, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans des endroits où parfois on ne veut pas de vous. Donc elle dessine par exemple ces bars de Tanger qui sont des bars où il n'y a pratiquement que des hommes et des prostituées. Et d'un coup, nous, on rentre dans ce bar et on y était effectivement avec la dessinatrice parce qu'elle voulait voir à quoi ça ressemblait avant de le dessiner. Elle n'était jamais allée dans ce genre de lieu. Donc je lui ai dit, écoute, je vais t'emmener. Et c'est vrai qu'on avait envie de dessiner l'incongruité en fait, de notre propre présence et à quel point parfois c'est difficile d'aller récolter une parole, une information. Et Laetitia avait aussi une grande curiosité du Maroc. Elle voulait comprendre cette société, elle voulait rentrer dans les lieux. Donc évidemment, comme j'étais sa guide, ça lui a paru tout à fait naturel de me dessiner dans ces endroits-là.
Pierre, c'est vrai que dans de nombreuses bandes dessinées, notamment les bandes dessinées les plus, enfin vraiment documentaires, reportages, on accompagne. Et souvent, quand c'est aussi les, je le disais, les dessinateurs ou les dessinatrices qui sont ce qu'on appelle auteurs complets, c'est-à-dire qui écrivent et dessinent le récit, il y a cette idée aussi, je le disais tout à l'heure, d'assumer une subjectivité, c'est-à-dire que d'un seul coup, quand c'est notamment des sujets complexes, c'est de dire, bah oui, forcément, on ne va pas parler de tout, mais voilà quel a été mon parcours, voilà les personnes que j'ai rencontrées, et vous allez me suivre un petit peu pas à pas dans cette aventure. Mais de toute façon, pour nous, pour le prix du livre du réel hors de la bande dessinée, c'est presque une donnée obligatoire. C'est-à-dire que si on veut faire des genres, des sous-genres, etc., c'est-à-dire que l'idée que le narrateur ou l'auteur soit présent dans l'enquête qu'il mène, mais en tant que personnage, montrait qu'effectivement, la façon dont se construit un savoir, ou un reportage, ou un documentaire, inclut la façon dont, effectivement, c'est tout à fait ce que dit Leïla Slimani, dont l'information a été récoltée. C'est-à-dire comment, pourquoi on est là à ce moment-là, et qu'est-ce que ça produit, et qu'est-ce que notre interaction produit avec les autres, effectivement, et c'est pas simplement comme ça, on a appris des choses, et puis tiens, on va vous raconter ce qu'on a appris. Et donc, c'est vrai pour l'ensemble des livres qu'on a pu primer, et c'est vrai aussi sur la bande dessinée. Effectivement, je pense que c'est important. C'est aussi une façon intéressante, à la fois, comme vous dites, d'évoquer la question de la subjectivité, tout en écartant raisonnablement la question autobiographique, qui a été, on va dire, un peu aussi l'un des courants intermédiaires ou tournants des années 90-2000 en bande dessinée, qui a été la découverte de la bande dessinée autobiographique, qui a maintenant un peu reflué. Là, on est sur autre chose. L'auteur est présent, mais il est présent en tant qu'auteur, mais en tant qu'auteur vers un horizon qui n'est pas lui-même. Et ça, je pense, effectivement important dans aussi le souhait qu'ont les gens d'apprendre des choses ou de découvrir des choses ou de comprendre des choses grâce à la bande dessinée. Et après, effectivement, c'est une médiation qui, je pense, participe du fait que la bande dessinée est réflexive. Et elle est dans les deux sens du mot, c'est-à-dire à la fois, effectivement, elle fait réfléchir et en même temps, elle organise la présence de l'auteur dans la bande dessinée. On a un petit peu répondu à la question tout au long de cette discussion, mais en passant en revue vos différentes lectures de ces dernières années, vous diriez qu'on peut aborder absolument tous les sujets en bande dessinée, que ça permet aussi justement de pénétrer dans des lieux qu'on ne connaît pas, que ce soit en tant que lecteur, en tant que citoyen. Tout à l'heure, juste avant cette rencontre, on abordait, on parlait de nos lectures récentes et de quelques albums qui nous faisaient justement entrer dans des lieux qu'on ne connaissait c'est absolument pas. Et le fait que c'était vraiment une spécificité liée à la bande dessinée, on revient finalement à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais le fait qu'un dessinateur ou une dessinatrice de bande dessinée se fait rapidement oublier, en fait, dans un coin. C'est ce que montre très bien d'ailleurs Mathieu Sapin quand il va dans les couloirs de l'Élysée ou qu'il est dans des meetings politiques où on lui livre des choses parce que les gens oublient complètement qu'il est dans un coin parce qu'il y a un côté sympa du dessinateur ou de la dessinatrice qui est en train de dessiner. Mais voilà, par rapport à ce prix du livre du réel, par rapport à ce qu'il va englober, par rapport à toutes les publications qu'il y a pu avoir, vous diriez que vraiment aujourd'hui, par la bande dessinée, on peut absolument tout traiter? Ah oui, il n'y a pas de limite. Enfin, d'autant moins qu'effectivement, il n'y a pas de limite matérielle à la réalisation, si ce n'est le temps, le travail et la sueur considérable que cela demande. Mais non, tous les sujets sont possibles. Et puis, ils existent si déjà. Si c'est des sujets de 1000 pages, il faut les confier à David. Voilà, David, il ne prend que les sujets de 1000 pages. Mais aussi bien effectivement, des choses très, très techniques, très pointues, très érudites, que effectivement des choses beaucoup plus, entre guillemets, triviales. Mais on voit l'un des grands succès. Alors, je suis désolé, là, le titre des autres, les noms des auteurs m'échappent aujourd'hui, mais les algues vertes, c'est absolument passionnant. C'est d'abord c'est un album magnifique graphiquement sur une enquête sur les algues vertes qui aurait pu faire l'objet d'un reportage et qui a fait l'objet d'un reportage par ailleurs. Et là, quand vous le lisez, vous comprenez pourquoi, enfin, sans que vous compreniez vraiment véritablement pourquoi, mais vous voyez bien que vous comprenez quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'alors, en tout cas moi c'est mon cas, et qui est vraiment une logique très différente. Par exemple, si on prend sur le cas du manga documentaire, le manga dont on a, même si la France publie énormément de mangas, on a quand même, c'est infinitésimal par rapport à ce qui se fait au Japon. Il y a une tradition au Japon qui est vraiment le manga pour tout. C'est-à-dire, c'est le manga pour faire la cuisine, c'est le manga pour ranger sa maison, c'est le manga, enfin, et l'adaptation de tous les grands classiques de la littérature ou
des sciences humaines, c'est-à-dire vous avez Le Capital en manga, alors qui pour le coup a même été traduit en français. Je crois même qu'il y en a deux. Ouais. Voilà, voilà, il a été traduit en français avec d'autres. Donc c'est une autre, là c'est un peu une autre logique que celle qu'on évoque là, me semble-t-il. C'est-à-dire que là on rejoint plus un peu Marabout Flash avec l'idée que il faut un livre pour nous aider à faire aussi bien planter un clou que faire une omelette. Là l'horizon de ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la bande dessinée du réel, il n'est pas véritablement là. Il est quand même sur l'idée qu'effectivement il y a une démarche à la fois artistique et d'investigation. Et c'est l'articulation des deux qui produit quelque chose. Avec, on le citait tout à l'heure, des revues qui sont moteurs, puisque Les Algues Vertes, c'est une coédition de la revue dessinée. La revue dessinée qui a maintenant un petit frère ou une petite sœur, une revue petite sœur qui est Topo, qui s'adresse aux moins de 20 ans, où là aussi on est dans des récits qui ne prennent pas forcément, justement, parce que toutes les histoires ne se racontent pas en 1000 pages, ni même en 80 pages d'un album de bande dessinée. Donc c'est vrai que ces revues sont particulièrement intéressantes et utiles de ce point de vue-là, puisque ça permet justement de raconter des choses plus ramassées, qu'il est utile de découvrir. D'ailleurs, Topo, c'est pour les moins de 20 ans, mais je crois savoir que c'est aussi beaucoup les parents qui abonnent les enfants et qui derrière la lisent, parce que les reportages sont assez formidables. Oui, Topo, je pense que avec la revue dessinée, donc David a évoqué tout à l'heure les grands ancêtres, même s'ils ont une quinzaine d'années, que sont 6 mois, enfin 21 en l'occurrence. Topo, c'est moi je pense l'une des plus belles réussites, même intellectuellement, de ce qu'on peut produire, à la fois du niveau de ce qu'on peut proposer à des adolescents, parce qu'il y a des sujets parfois très compliqués sur la question, par exemple très spécifiquement, de la place de la femme en Corée du Sud. Et pourquoi est-ce qu'il y a une place très particulière, très spécifique? Moi j'ai vu effectivement, en l'occurrence, des jeunes enfants que je connais bien, de 12 ou 13 ans, lire ça, et comment ça a suscité chez eux des questions, et j'aurais pas eu d'équivalent à leur proposer. C'est-à-dire, on veut bien leur faire lire un article du Monde Diplo, si vous voulez, mais ça aurait été compliqué de trouver un support pour leur dire, voilà, regarde, intéresse-toi à la situation des femmes en Corée du Sud. Et là, la façon dont c'était proposé fait que ça a fonctionné et que ça provoque ce que ça doit provoquer, c'est-à-dire de la question, du débat, de la réflexion, etc. Et donc ça, c'est assez impressionnant. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un travail de densification du savoir, dans le cas de Topo particulièrement, puisqu'on est sur des BD qui font, je pense, 10, 15, 20 pages au maximum. Donc c'est quand même, on est un peu en dessous des 1000 pages. C'est très impressionnant. Et puis aussi, c'est, je pense, intéressant dans la mesure où c'est beaucoup de jeunes dessinateurs. Je pense que c'est la fonction des revues, comme ça l'est, si l'on veut, pour les auteurs de nouvelles aux États-Unis. La fonction de ces revues, c'est aussi de permettre à ces jeunes-là de dessiner avant l'album. Donc vous l'avez compris, on vous recommande Topo chaleureusement. Merci à vous, merci à tous les trois. Pierre, on va suivre bien évidemment cette nouvelle édition du prix du livre du réel, avec donc l'apparition de cette catégorie bande dessinée. Leïla Slimani, À main nue, c'est publié aux arènes avec Clément Houbrery, le premier tome qui sera suivi d'un second volume cette année. Oui, à la rentrée. À la rentrée, ouais. Parfait. Merci beaucoup. Et David, bien sûr, Sapiens, le premier tome est également publié. C'est chez Albin Michel avec Daniel Cazanave, à partir du livre, une adaptation de Yuval Noah Harari, que j'ai réussi à dire du premier coup et en entier pour terminer. C'est parfait. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis en ligne, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.